Ensemble, ton amour, ton, ton amour est toi. Seigneur, heureux de pouvoir à nouveau se retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu. C'est tellement important de nourrir notre âme. Jésus l'a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est au travers de cette parole que nous pouvons nourrir notre âme et fortifier notre foi. Et j'aimerais vous parler des raisons pour lesquelles parfois Dieu garde le silence. Et pour introduire, je vais vous citer quelques versets tirés du livre des Psaumes. Tout d'abord, au Psaume 22, David dit au verset 3, Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Au Psaume 35, verset 22, il dit également, Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Et au psaume 83, verset 2, c'est Asaph qui va dans le même sens en disant Ô oh Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas. Voilà plusieurs prières qui expriment la, la même pensée, celle d'un Dieu qui reste silencieux, qui ne répond pas. Et on s'aperçoit que bien des hommes de la Bible, ont été troublés, déstabilisés face au silence de Dieu. Et c'est vrai que lorsque Dieu ne répond pas, qu'il reste silencieux à nos prières, à nos supplications, cela nous amène à nous interroger. Et surtout, comment interpréter ces silences divins, d'autant plus au sein de l'épreuve, quand on passe par des moments difficile, douloureux, et que cela dure depuis longtemps. Est-ce du désintérêt de, de sa part Serait-il trop occupé pour s'occuper de nous Bien sûr que non. Dieu n'est jamais indifférent à notre situation. C'est un Dieu plein de compassion, de miséricorde, et il porte de l'attention aux moindres détails de notre vie. Mais il faut reconnaître qu'on a du mal à supporter ces silences, le fait que Dieu se taise. D'autant qu'on est dans une société où le bruit est, est omniprésent, euh, un, un monde qui, qui est sans cesse en mouvement, agité dans tous les sens, et où, où l'on supporte difficilement le silence. Et dans ce contexte, il n'est pas étonnant qu'on soit aussi déstabilisé quand dieu se tait mais devons savoir une chose que le, le silence fait partie du langage de dieu oui comme le dit la bible dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre il nous parle avant tout au travers de sa parole il peut nous parler par des dons spirituels parfois par un songe, une vision. Il a une multitude de façons pour nous faire entendre sa voix, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, Dieu peut aussi nous parler en restant silencieux. Ça fait partie du langage divin. Et c'est important de bien saisir cette vérité si on ne veut pas être déstabilisé face au silence de Dieu. D'autant que ce n'est pas parce que... Le Seigneur ne dit rien que pour autant il ne se passe rien. Le silence de Dieu ne veut pas dire inaction. Un jour, des hommes religieux, on connaît bien ce passage dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8, des hommes religieux ont amené à Jésus une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère et qui, selon la loi de Moïse, devait être lapidé, et pour l'éprouver, ils ont demandé à Jésus son avis. C'était une question-piège, et Jésus ne s'est pas précipité pour répondre, mais il a marqué un temps de silence pendant lequel il s'est abaissé, écrivant avec son doigt sur la terre. Un silence qui en disait long sur la désapprobation du Seigneur à l'égard de ces hommes religieux qui étaient animés par de mauvais sentiments. Et au bout d'un moment, Jésus s'est relevé et il va prononcer ces paroles mémorables que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et à nouveau, il s'abaisse et il garde le silence. Et on a l'impression que là, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus un mot qui est dit, mais en réalité, c'est au fond des cœurs que ça remue sérieusement, puisque la Bible nous dit que ces hommes religieux, accusés par leur conscience, se sont retirés un à un. Ça, ça s'est fait dans le silence, mais intérieurement, il y a eu une puissante action de l'esprit. Pour reprendre les consciences de ces hommes. Vous Savez, il y a des silences divins qui, pour parler à la conscience, sont bien plus efficaces que dix mille paroles. Ne nous fions pas aux apparences. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne dit rien que tout est calme, qu'il n'agit pas. Bien au contraire. Quand on va, vous savez, quand on va à la campagne, s'il y a bien quelque chose qu'on apprécie, d'autant plus quand on habite en ville, c'est le calme, c'est reposant. On, on, on est au plus près de, de la nature, mais le calme de la campagne ne veut pas dire pour autant qu'il ne se passe rien. Bien au contraire. Il y a dans la nature une multitude d'activités. La, la végétation est en permanence en action. Et la plupart du temps, ça se fait en silence. Et c'est pareil avec le Seigneur. Son silence peut être néanmoins très agissant. Parfois, on a l'impression dans nos églises que plus il y a de, de bruit, plus il y a d'ambiance. De, de, et, et plus le Seigneur est à l'œuvre, mais pas forcément. Moi, au contraire, que le Saint-Esprit œuvre bien plus souvent silencieusement dans notre vie, dans notre cœur, pour nous amener à, à ressembler de plus en plus à Jésus. Vous savez quand quelqu'un fait l'expérience de la nouvelle naissance, qu'en réponse à sa foi, à la repentance qu'il ouvre son cœur à Jésus, le Saint-Esprit, à ce moment-là, lui communique une nouvelle nature. Ça se passe intérieurement, c'est silencieusement, mais ça produit un, un bouleversement extraordinaire. Il arrive aussi que Dieu finit par rester silencieux parce qu'on n'écoute plus ce qu'il nous dit. On a ce triste exemple avec le roi Saül qui, avant de combattre les Philistins avec son peuple, est allé consulter l'Éternel pour savoir ce qu'il devait faire et quelle serait l'issue de cette bataille. Mais la Bible nous dit, 1 Samuel au chapitre 28, verset 6, l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urime, ni par les prophètes. Et pourquoi Dieu est-il resté silencieux ce jour-là à l'égard de Saül? Eh bien, parce qu'à plusieurs reprises, Dieu lui avait parlé, mais comme il persistait à désobéir, eh bien, Dieu a fini par se retirer de lui et de ne plus lui parler puisqu'il n'écoutait pas. Voilà la raison de son silence. C'est vrai, comme. Je disais tout à l'heure, et on trouve ces paroles dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le constat que Dieu fait, c'est que l'on n'y prend point garde. Et lorsque nous ne tenons plus compte de ce que Dieu nous dit au travers de sa parole, il peut effectivement finir par se taire, par garder le silence. À quoi servirait-il que Dieu parle si ceux qui lui appartiennent n'écoutent plus et qu'ils persistent à faire ce qui leur plaît Dieu peut aussi garder le silence parce qu'on est tellement accaparé par une quantité de choses qu'on n'est plus réceptif à sa voix. Est-ce que le Seigneur. Peut encore nous parler je ne vous dis pas est ce que vous lisez votre bible ou est ce que vous venez écouter la parole aux, aux réunions bien sûr c'est une bonne chose seulement c'est une chose que d'entendre la parole de dieu que de lire la bible mais c'en est une autre que d'entendre le Seigneur parler à notre cœur d'une manière personnelle. Et pour, ça, pour cela, il faut savoir imposer silence à notre âme. Il y a tellement de, de pensées frivoles, futiles, qui peuvent accaparer notre esprit. Il y a tellement de bruit, d'activités, de loisirs qui peuvent nous distraire et, et nous... Indisposé à être à l'écoute de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus nous dit dans son sermon sur la montagne quand tu pries, entre dans ta chambre et, et ferme ta porte, comme s'il nous disait mais ferme ta porte aux, aux pensées futiles, à tout ce qui peut te distraire. Ferme ton, ton portable, ta télévision ta radio, mets-toi à l'écart du bruit, tiens-toi dans le silence si tu veux que je te parle. Dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 1er, verset 7, il est dit, silence devant le Seigneur l'Éternel. Silence devant le Seigneur l'Éternel. Et il est bon de faire silence devant Dieu si nous voulons entendre sa voix. Il y a aussi des silences qui sont permis de Dieu et qui ont pour but de nous façonner. Au psaume 35, verset 22, que j'ai cité tout à l'heure, alors que David subissait les, les railleries, les menaces de ses adversaires, il dira dans sa prière, Éternel, tu le vois ne reste pas en silence. David, comme nous d'ailleurs, nous supportons mal le silence de Dieu, surtout face à de l'adversité, quand on est dans l'épreuve, même si c'est légitime de vouloir que le Seigneur nous parle et qu'il nous dise les raisons pour lesquelles nous passons par tel ou tel chemin. Mais nous devons néanmoins apprendre que même quand Dieu se tait, ce n'est pas pour autant qu'il nous aime moins. Ce n'est pas pour autant que euh, il ne pense moins à nous, qu'il prend moins soin de nous. Savons qu'elle a été la terrible épreuve par laquelle Job est passé, qui après avoir perdu euh, tous les biens qu'il possédait, a également perdu tous ses enfants, et puis la la maladie a fini par l'atteindre enfin des épreuves terribles et lorsqu'on lit le, le premier livre de, de ce livre de premier chapitre de ce livre de job on comprend les raisons de cette épreuve on, on sait que cela n'était pas dû au fait que job a, avait vécu dans le péché dans la désobéissance mais il y avait une attaque de, de Satan, l'ennemi de nos âmes, qui voulait la perte de Job et qui a lancé un défi à Dieu pour voir si Job servait Dieu avec désintéressement. Alors nous, dès le chapitre 1 on sait quelles sont les raisons de cette épreuve. Mais Job, lui, ne sait rien. Il ne savait pas ce qui était en train de se tramer dans les lieux célestes. Pourtant, on se dit que si Dieu l'avait averti que Satan allait lui faire beaucoup de mal, mais qu'il avait fixé une limite à son épreuve, nul doute que cela aurait été un encouragement pour Job. Eh bien non, Dieu ne lui dit pas un mot. Pourtant, Job s'est posé bien des questions et c'est normal. Mais Dieu ne lui a donné aucune réponse. Et on remarque qu'entre le premier chapitre de ce livre de Job et le chapitre 38, Dieu est resté silencieux. On ne sait pas combien de temps a duré l'épreuve de Job, mais on peut supposer quand même qu'elle a été longue. Et c'est seulement au chapitre 38 qu'il est dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il y a eu... 38 chapitres pendant lesquels Dieu est resté silencieux. Mais en réalité, durant cette période de long silence divin, Dieu a travaillé dans le cœur de Job. Il a œuvré en lui et à la fin de ce livre, on découvre un homme transformé qui a découvert une autre une toute autre dimension de son Dieu. Il va reconnaître que Dieu peut tout. Et que rien ne s'oppose à ses pensées. Et il dira au chapitre 42, verset 5 :« Mon oreille avait entendu de parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ça, c'est l'œil de la foi qui fait que Job venait de saisir la grandeur, la majesté, la, la souveraineté de Dieu, comme jamais il ne l'avait saisi auparavant. Ce long silence de Dieu a été en fin de compte source de bénédiction et il s'en est suivi pour Job une révélation plus grande de son Dieu, une communion plus intense, la guérison aussi de sa maladie, la restauration de sa famille, la bénédiction sur tout ce qui lui appartenait. Comme quoi, comme je le disais tout à l'heure, même quand Dieu se tait, il continue d'agir dans notre vie. Il sait ce qu'il fait et il le fait bien, merveilleusement bien. C'est pourquoi faisons-lui confiance. Quoi qu'il arrive, ne nous laissons pas envahir par la crainte ou le doute, même si nous avons prié et que notre épreuve est encore là, qu'il n'y a pour l'instant aucune trace d'exhaussement et que rien ne semble devoir évoluer dans notre situation, même si, si Dieu se tait et qu'il n'y a pas un mot de sa part, cela ne veut pas dire pour autant qu'il nous a abandonnés et qu'il ne répondra pas. Même dans le silence, le Seigneur est à l'œuvre et il a déjà dans ses mains la solution pour notre vie. Que son nom soit béni. Et en fin de compte, notre part, eh bien, c'est de continuer à lui faire confiance, malgré son silence, et de nous attendre à lui. C'est ce qu'Élihu a dit à Job euh, de faire. Il va lui dire, mais bien que tu dises que tu ne le vois pas, et on pourrait dire, et même que tu ne l'entends pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Ta cause est devant lui. Attends-le. Au psaume 37, il est dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et nous connaissons également ces paroles dans le livre des lamentations, où il est dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça, c'est l'attente silencieuse de la foi. Ne cherchons pas à, à tout prix à avoir une explication de ce qui nous arrive. Parfois, on, on voudrait tellement que Dieu nous parle qu'on peut finir par interpréter certaines paroles comme venant de lui alors qu'il n'en est rien. Dieu n'est pas obligé de tout nous dire. Il a ses raisons. Il est le Dieu souverain. Il a tout sous son contrôle. Et même quand il garde le silence, eh bien, faisons-lui confiance. Continuons à nous attendre à lui. Alors, que le Seigneur nous aide, vous et moi, à, à comprendre les, les silences divins. Et déjà, réalisons qu'il y a des silences de Dieu, oui, qui sont le résultat d'un manque d'écoute de notre part. Du fait que nous ne sommes plus attentifs à sa parole sensibles à la voix du Saint-Esprit et quand nous persistons à ne plus écouter eh bien forcément Dieu se tait mais il y a aussi des silences voulus par Dieu qui ne sont pas négatifs pour notre vie mais qui au contraire sont source de victoire hein, d'une dimension plus grande dans notre communion avec le Seigneur, des silences bénis qui ont pour but de, de stimuler, de fortifier notre foi et de réaliser que même lorsqu'il se tait, le Seigneur n'en est pas moins à l'œuvre dans notre vie et que tôt ou tard nous verrons la solution à notre problème, l'accomplissement de ses promesses. Vous savez? Au moment où un enfant vient au monde, dans une salle d'accouchement, il y a un, un temps de silence parce qu'on on attend d'entendre le, le, le cri de l'enfant qui, qui est synonyme de vie. Eh bien, ce silence, qui est en fin de compte annonciateur de vie, croyons également qu'il y a des silences de Dieu qui sont annonciateurs de victoire, annonciateurs d'exaucement, de rétablissement. Croyons-le de tout notre cœur que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous aide à comprendre que ces silences peuvent être aussi bénéfiques pour notre vie. À lui soit toute la gloire. Amen.